Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre et bienvenue sur cette petite vidéo spéciale. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous êtes maintenant 10 000 sur la chaîne. C'est un palier important. Ça fait plus de 5 ans et 3 mois que je suis sur YouTube et voilà, c'est quand même un palier important. Et aujourd'hui, dans la high-tech, notamment le test de smartphone, je suis pas le mec qui augmente le plus rapidement. Donc 10 000 abonnés, c'est très important pour moi et je suis très content, grâce à vous, d'y être. Donc ça fait super plaisir. Après, je ne sais pas quelle vidéo particulière faire, mais en tout cas, je voulais vous remercier. Pour moi, c'était le bon moment de le lancer parce que, comme je l'ai dit, j'avance lentement mais sûrement. Et j'ai lancé un Tipeee. Comme vous le savez, dans le test des smartphones, je commence à être une chaîne un petit peu importante. Mais néanmoins, YouTube ça rapporte rien et mon salaire il est pas très élevé. Donc j'ai pensé à ça depuis longtemps, je savais pas quand est-ce que le lancer exactement et je me suis dit que le palier des 10 000 abonnés était plutôt quelque chose de symbolique, important et justement ce serait le bon moment. Donc Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de crowdfunding. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir financer en fait tout simplement mes vidéos, me financer moi par rapport à mes vidéos parce que la chaîne vous plaît. Dans l'idée, ça va être surtout d'améliorer en soi l'ensemble de la chaîne. Pour faire simple, en gros, ce que j'espère notamment, c'est de pouvoir améliorer globalement la qualité des vidéos. Vraiment, si vous êtes très important, participer et permettre un salaire, c'est l'objectif maximum qui arrivera sûrement jamais, mais de pouvoir en vivre et pouvoir vraiment travailler au maximum les vidéos. Mais ça, j'y crois moyennement, vous l'imaginez bien, surtout avec que 10 000 abonnés. Néanmoins, donc, ce qui fait que le plus important à l'heure actuelle, c'est de pouvoir financer petit à petit des produits que, tout d'abord, je sors actuellement de ma poche, et les produits tels que des hauts de gamme, donc par exemple comme le Note 8, où j'ai mis plus de 6 mois pour pouvoir l'avoir en test, eh bien, j'aimerais pouvoir, par la suite, pouvoir les financer grâce à ce crowdfunding, et pouvoir les avoir dès la sortie, et avoir un avis plus pertinent, qui est à la sortie du produit et pas 6 mois plus tard, où il y a deux impacts. Tout simplement la pertinence, forcément un produit 6 mois plus tard il est testé par tout le monde, donc l'intérêt est moindre, à part le fait d'avoir la nouvelle version Android, c'est surtout ça qui m'apporte comme différence, et aussi tout simplement la visibilité. Le gros intérêt de la high-tech, c'est d'avoir les produits tout de suite pour avoir un maximum d'impact et de visibilité sur YouTube, et avoir beaucoup de vues et pouvoir partager mon avis à grande échelle. C'est le plus gros inconvénient pour moi, c'est forcément pour grandir j'ai besoin d'un gros impact et pour avoir un gros impact c'est d'avoir les produits tout de suite. C'est là où vous intervenez, vous êtes déjà très important pour les 10 000 abonnés, pour commenter, partager, liker, etc. Tout ça, ça a déjà un impact, mais un impact qui peut être en soi encore plus intéressant pour moi, c'est que justement vous puissiez financer tout simplement la chaîne et de pouvoir acheter. Alors ça commencerait par des petits paliers forcément, où ça me permettrait de gagner une vingtaine d'euros qui permettra d'acheter des écouteurs bas de gamme, enfin les écouteurs que j'aime bien, les KZ et d'autres marques, pour déjà avoir des petits trucs à tester sans que j'ai besoin de prendre mon budget et me dire est-ce que je peux acheter ça, je peux acheter ça. Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça, il faut que je fasse attention à mon budget et je peux pas tout acheter alors qu'il y a plein de choses que j'aimerais tester. Aussi, plus les paliers vont augmenter, plus ça va être intéressant. Dans l'idée, ce sera qu'au fur et à mesure des paliers, et en espérant atteindre les 100-150 euros, c'est de commencer à prendre des smartphones bas de gamme, milieu de gamme intéressants, qui sont intéressants à tester parce qu'ils sont tout simplement bons en rapport qualité-prix, et vous faire l'avis dessus. Et pouvoir continuer avec des milieux de gamme, haut de gamme. Aussi pouvoir tester d'autres choses, des PC, des appareils photo, pourquoi pas d'autres appareils photo, pour aussi pouvoir donner mon avis et comparer. Pouvoir améliorer tout simplement mon équipement, parce que le truc que je mets le moins en avant dans mes dépenses, c'est surtout en soi l'image en fait, le côté un peu ce qui m'intéresse en soi le moins, le visuel. Pour moi le plus important c'est de regarder le produit, mais pas forcément moi, ou pas forcément le décor. Mais le décor c'est quelque chose qui reste très basique quand on voit tout simplement la table. Dans l'idée, ce sera d'améliorer au fur et à mesure, de décorer le fond, de décorer tout simplement ici avec des posters, des petites choses par-ci par-là. Et pareil, ça a un coût qui peut très vite monter selon ce que j'ai comme idée dans la tête. Donc ce sera aussi de financer ça. Pour finir, le plus gros palier, ce serait de pouvoir tout simplement financer un salaire, mais qui n'arrivera pas avant plusieurs années si ça se fait, mais ce serait le plus grand rêve de pouvoir en vivre tout simplement, parce que ce serait un rêve tout simplement.
Au niveau des contreparties, ça va être le truc le plus compliqué, c'est que actuellement je ne sais pas quoi proposer. Les premières choses qui me viennent à l'idée, c'est tout simplement de vous afficher en fin de vidéo, pour tous ceux qui me donnent des dons, pour vous remercier, parce que c'est au moins la chose que je peux faire, c'est de montrer justement ma reconnaissance via ça, de vous remercier, et aussi si vous arrivez avec vos dons à financer certains produits, déjà je l'annoncerai sur Tipeee, ou je l'annoncerai tout simplement, je l'annoncerai et pourquoi pas le donner à un d'entre vous qui serait intéressé, pour vous remercier tout simplement par rapport à ça. C'est, je pense, les deux idées qui sont pour moi plausibles, les plus sympas à faire, mais qui ne sont pas des contreparties type, je sais pas, des dessins ou ce genre de choses, parce que je ne sais pas du tout ce que je peux faire à l'heure actuelle, que je pourrais faire avec constance et avec sérieux. Entre mon boulot, le peu de temps libre que j'ai, les vidéos à faire et ma fatigue qui peut être plus ou moins présente selon les périodes de l'année, je sais que je pourrais pas maintenir un niveau de qualité au niveau des contreparties qui pourraient être tout le temps bonnes. Donc le mieux, c'est ce que je vous propose là, et d'avoir voilà un petit Tipeee, enfin une petite image enfin pour vous remercier, un remerciement oral, et ce sera déjà pour moi quelque chose qui sera déjà important. Cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous, de ce que je vois, je suis à 6 minutes. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, j'espère que vous serez quand même nombreux à pouvoir participer, parce que pour moi, ça aura un impact non négligeable, bien évidemment, sur l'ensemble, et de pouvoir financer des smartphones que je ne peux pas financer à l'heure actuelle, c'est important. Et puis voilà, tout simplement, et pouvoir après en filer un grâce à vos dons, ce sera toujours ça de prix, ou les faire en concours entre vous, des petits trucs comme ça, voilà. Petit bonus, si on arrive à 20 tipeurs, le but ce sera de faire un Discord à partir de 20 tipeurs, vous serez assez nombreux pour qu'on ait une dynamique de discussion, alors que si on met à juste 2 ou 3, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de discussions, d'interactions, et que ça mène des gens. Voilà un petit peu pour ça, j'espère que vous serez nombreux, j'espère que vous pourrez partager tout ça. Merci encore, merci à vous, vous êtes très important pour la chaîne, vous êtes très important pour la passion que j'ai de faire des vidéos, de pouvoir partager mon avis que je fais aussi souvent que possible, que je peux pas faire sur les produits que je veux à temps, mais grâce à ça, ça peut peut-être améliorer un petit peu tout ça. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour de prochains tests, et puis merci d'avance pour tous ceux qui participeront.